Alléluia. 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 Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche. Amen. Malgré les barricades. Mais nous remercions le Seigneur que beaucoup d'entre vous avez réussi à déjouer cet empêchement pour aller sur la paroisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne peux pas ne pas le dire. Je vois que la chorale est en forme. Comme on dit, vous avez la pêche. Que Dieu continue à vous fortifier. Amen. Je dis bienvenue. Pour raconter ceux qui sont déjà entrés, à commencer par le chargé de paroisse et sa famille, et puis bien sûr notre CNN céleste, hein, évangéliste Bissé. Amen. Et sa famille. Amen. Donc, je leur dis bienvenue parmi nous. Amen. Mais il ne faut pas ne pas remarquer la maman de paroisse qui est parmi nous aujourd'hui pour le Dieu de chauffeur la fortifie. Amen. Maman, bienvenue. C'est toi. Que Dieu de chauffeur. D'accord, une longue vie. Amen. Amen. Alors, nous avons entendu deux lectures. La première, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 11, de verset 14 à 25. Ézéchiel 11, 14 à 25. Et la deuxième, c'est l'Évangile selon Saint Jean. Dans son chapitre 10, de 14 à 25. Qu'est-ce que le prophète Ézéchiel nous dit ce matin? Il parle des promesses faites aux déportés. Je ne vais pas recommencer à vous raconter l'histoire des enfants d'Israël que vous connaissez déjà. Alors, je vous pose la question, qui sont les enfants d'Israël?
J'ai dit que la main soit brouillée. Amen. Monsieur. Amen. Merci. Bon, monsieur. Donc, je vous considère comme des enfants d'Israël spirituels. Amen. Non pas biologiques. Et pourtant, il y avait très peu de gens qui ont levé leurs doigts. Donc, je considère que vous, les autres, vous êtes de quel pays, vous? Hein? Il faut me le dire, hein? Vous êtes de la Russie, l'Ukraine, vous êtes des Chadiens, et de quel pays que vous voulez faire? S'il vous plaît. Bon. C'est nous, les déportés d'Israël. Oui, c'est nous parce que nous avons été divisés. Et même beaucoup ont été dispersés. Ils n'ont plus l'orientation en ce qui concerne leur église. Même beaucoup ne reconnaissent plus leur église. Ceux qui ont connu l'église après le fondateur, on peut dire qu'ils ont la chance. Voilà. Mais ceux qui ont connu l'église pendant le fondateur, qu'est-ce que nous sentons au final? Pour voir ce que l'Église est devenue. Bien que nous soyons découragés, malheureux et affligés, ce matin, Dieu nous fait la promesse. Que ce que nous avons vécu dans l'Église, beaucoup qui ont été victimisés, même escroqués, détournés, quel mot en tant que je peux utiliser? Même volé, pillé, la pillé, c'est le mot, hein? Pillé. Dieu nous fait la promesse que bientôt les choses vont commencer à aller de mieux en mieux. Amen. Mais surtout, il nous a fait une promesse de nous rassembler encore. En nous unissant comme un seul peuple. Est-ce que cela n'est pas formidable? Il n'y aura plus tendance béninoise, tendance nigériane, tendance réhabilitation. On dira tout simplement Église du Christianisme céleste de Dieu, une et indivisible. Que le nom de Dieu soit béni. Amen.
Le côté d'Ézéchiel, la première lecture, s'adresse à vous, le peuple. Le peuple de l'Église, du christianisme céleste, en captivité. Vous qui vivez des épreuves, les épreuves de votre foi, à cause de la division de l'Église. À cause de l'indiscipline de l'Église. À cause des mauvais caractères de certains, car beaucoup sont devenus irreligieux. Même parfois méchants. Dans leur manière de faire, ils sont perdus l'éthique de la chrétienté. Et même certains de nos frères et sœurs, on ne les reconnaît plus. Parce que beaucoup ont un cœur double. Ce qu'ils disent, ce n'est pas ce qu'ils font. Et ce qu'ils font, ce n'est pas ce qu'ils disent. Mais Dieu nous parle. Nous, qui se sommes perdus ou victimisés, que bien que vous soyez dans cet état, Dieu nous dit qu'il est avec nous. Alléluia. Alléluia. Pendant toutes ces années de 40 ans, jamais j'ai perdu l'espoir à un seul moment. Et encore aujourd'hui, Dieu nous fait la promesse. Qu'il va délivrer son Église. Il va unir son peuple. Et l'Église céleste connaîtrait encore la joie. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Mais il y a une chose que je voudrais vous dire selon la première lecture, bien sûr. Que pendant les moments difficiles, ou de la division comme nous vivons actuellement, c'est le moment que vous devrez garder la foi, que votre foi soit ferme en celui qui vous a appelé. Parce que autant le prophète Ézéchiel, Jésus n'était pas encore venu. Donc, il n'avait pas de repère. Mais nous avons
qui est notre Père, Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Il fallait que le missionnaire Oshofa retourne à Dieu parce que c'est de là qu'il est venu. Il était nécessaire que l'Église céleste traverse un moment de division, un moment difficile, pour qu'elle puisse arriver à la maturité. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Ce qui était dommage, c'est qu'un enfant peut grandir au bout de 4 ans, n'est-ce pas? Il va déjà se lever, marcher, et puis entendre courir. Seulement nous, ça nous a pris 40 ans. Encore, hein? Nous sommes maintenant presque à 40e année. Donc, nous portons l'image des enfants d'Israël. Chanel, que Dieu a délivré d'Égypte, qui devait traverser le désert pendant 40 jours. Mais ils l'ont traversé pendant 40 ans. On nous dit que les hommes n'ont pas changé. Parce que l'histoire des Juifs, des Hébreux, devrait nous apprendre quelque chose. Oh, ils avaient des excuses. Parce que Jésus n'était pas encore avec eux. Jésus était avec eux, mais ils ne savaient pas. Mais nous, Jésus est déjà venu. Il a souffert pour nous. Il est mort sur la croix pour nous. Mais nous, nous avons fait pire que l'enfant d'Israël de la vie. Que l'Éternel nous pardonne. Amen. Je dis que l'Éternel nous pardonne. Amen. C'est pourquoi nous devons prier beaucoup. Nous devons lire la Bible beaucoup. Nous devons prêter l'oreille aux prédicateurs qui passent ici pour prêcher pour nous. Et la deuxième lecture nous parle du bon berger. Qui est le bon berger? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc, c'est une lecture qui s'adresse au berger de l'Église du christianisme céleste. Il s'adresse à moi en particulier, aux chargés des paroisses. Aux prophètes et aux mamans des paroisses. Je ne vais pas permettre à
jamais Oya n'échappait à ça. Dans sa tête aussi, au président du comité, bien sûr, et puis au maître de cœur. Bien sûr aussi à la maman de la parole. Alléluia! Alléluia! Il parle de la déficience de berger. Nous sommes qui sont censés de nous diriger. De nous protéger. Et de veiller sur nous. C'est une grâce quand nous occupons des places privilégiées dans l'Église. Mais c'est un devoir. D'accomplir notre mission. Avec amour. Fidélité. Sobreté. Et avec constance. Pendant les captivités, il ne faut pas écouter les prophéties et les visions. Être passif, c'est ça, hein? Parce que quand il y a le désordre dans l'Église, vous savez que vous êtes divisé et que la division ne vient pas de Dieu, n'est-ce pas? Alors les prophètes ont commencé à dire, Dieu vous aime, il va vous rehausser, il va vous bénir, faites des cérémonies de bénédiction et de guérison, alors que chacun devrait se mettre à genoux pour demander pardon à Dieu, de nous sortir de ces situations-là. C'est pourquoi les prophètes comme Jérémie sont importants pendant ces périodes-là. Je ne parle pas de prophètes qui se donnent à la rivalité, qui vont occuper une première place dans l'Église, mais des véritables prophètes qui se sacrifient et qui prient pour le peuple. C'est à ce moment-là que nous avons besoin d'échanger. Qui sont fidèles. Et qui prient pour le peuple. Afin qu'il soit protégé contre la colère de Dieu, comme Moïse le faisait,
comme il intercédait auprès de Dieu, en demandant à Dieu, ne le tue pas, pas dans l'heure, parce que ceux qui le tuent, les autres nations à mon tour vont dire, c'est pour les faire périr dans le désert que tu les as délivrés d'Égypte. C'est le moment que nous avons besoin des pasteurs. Ils ont été choisis par Dieu et non pas les pasteurs que nous-mêmes nous avons choisis. Comme les enfants d'Israël ont voulu ressembler aux autres nations qui avaient les rois. Ils ont dit à Samuel, choisis-nous un roi pour que nous puissions ressembler à d'autres nations avant Dieu. Samuel les a dit, mais c'est l'Éternel notre roi. Non, 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 non. Ton Éternel, là, nous, on ne voit pas. On voit un roi qui marche devant nous, qui est sur le cheval. Pour qu'on puisse jouer des trompettes devant lui. Pour que les autres nations aussi sachent que Israël a un roi. Samuel a dit à l'Éternel, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils demandent. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, laisse-les, on va leur choisir un roi. Alléluia. Alléluia. Et quel roi qu'on a choisi? Salut. Salut. Est-ce que Salut a été choisi selon le cœur de Dieu? C'est un roi de circonstance. Vous savez ce que ça veut dire? Quand on dit que quelqu'un est un roi de circonstances, ou est chargé de circonstances, ou est pasteur de circonstances, qu'est-ce que ça vous dit? Hein? Un bouchon. C'est très très gentil. C'est très très gentil. C'est un roi hasardieux. Hein? Ça nous dit un roi, comme on peut le dire en français, quand on dit que quelqu'un est une erreur. C'est grave, hein? N'est-ce pas? Si vous pouvez mesurer la gravité de ça, quand on te dit que tu es une erreur, c'est exactement ça. Donc nous avons besoin des véritables hommes de Dieu que Dieu a choisi. Pour qu'il puisse nous montrer le chemin de Dieu. Comme Dieu a choisi David selon son cœur pour régner sur Israël. De la même manière,
Nous devons prier. Que Dieu nous choisisse les hommes. Premièrement, un pasteur qui vient de Dieu, qui devait diriger le peuple. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons fait? 50 visionnaires ont choisi le pasteur. Alors, le Nigeria a choisi son pasteur circonstanciel. Le Bénin aussi a choisi son pasteur circonstanciel. La réhabilitation aussi a choisi son révérend circonstanciel. On va en parler après. Alléluia. Alléluia. Au lieu de se rassembler, on dit, Seigneur, montre-nous le chemin. Alléluia. Alléluia. Mais chacun a trouvé son chemin. Qu'est-ce que la première lecture de Pierre dit? Ézéchiel 11. Oui. Et la parole de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ce sont tes frères. Ce sont tes frères. Ceux de la parenté et la maison d'Israël tout entière. À qui les habitants de Jérusalem disent. Oui, parce que c'est eux qui sont dit quoi, tout le monde. Avançons-nous. Restez loin de l'Éternel. C'est eux qui ont dit restez loin de l'Éternel. Le pays nous a été donné en propriété. C'est pourquoi tu dis là. Jean-Paul est parti. Maintenant, l'Église céleste est à nous. Est-ce que vous comprenez? Ainsi parle le Seigneur. Alors, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. Si je les tiens éloignés parmi les nations, oui. Je les ai dispersés en divers pays. Je serai pour eux quelque temps en un exil. Dans les pays où ils sont venus. C'est pourquoi tu diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples. Bien que vous êtes éloignés de moi. Et moi, je vais disperser dans toutes les nations. Mais aujourd'hui, Dieu dit, il se répond. Qu'il va encore nous rassembler de toutes les nations où nous sommes dispersés. Continue. Je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront. Oui. Et ils ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ferai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Merci. Parce que pour que Dieu nous rassemble, il y a encore un petit chemin à faire, n'est-ce pas? Il faut d'abord que nous nous répondons sincèrement, que nous changeons de pente. Et que nous nous séparons de toutes nos mauvaises comportements. De mauvaises habitudes. Notre mauvaise manière. Parce que nous avons
beaucoup, beaucoup changé. Nous avons trop changé. Et Dieu a parlé aux enfants d'Israël à travers la bouche de Jérémie. Jérémie 29, à partir du verset 4. On prend... Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem. À tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem. Oui. À Babylone. Bâtissez des maisons. Bâtissez des maisons. Et habitez-les. Et habitez-les. Plantez des jardins. Et mangez-en les fruits. Et mangez-en les fruits. Prenez des femmes. Prenez même des femmes. Et engendrez des fils et des filles. Et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils. Oui. Et donnez des maris à vos filles. Uh-huh. Afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Uh-huh. Multipliez là où vous êtes. Multipliez là où vous êtes. Uh-huh. Et ne diminuez pas. Et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Oui. Et priez l'Éternel en sa faveur. Et priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du ciel. Merci. Mais vous, en captivité, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à détruire les paroisses où Dieu vous a mis. Vous allez commencer à changer les rituels et à faire une église à votre image. Ne savez-vous pas que le bien que vous faites sur une paroisse, c'est pour vous que vous le faites. Quand vous dispersez les fidèles, votre vie est dispersée. Vous maudissez les enfants des autres. Ce sont vos enfants qui sont maudits. N'avez-vous pas appris que ce que un homme aura semé, il en passera aussi? C'est le bien que tu fais que tu vas retrouver. Et le mal que tu fais, c'est ça aussi ça que tu vas encaisser. Alléluia. 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 Que l'Église passe un moment difficile n'est pas une excuse de pratiquer l'Église comme toi tu le veux. Ce n'est pas une excuse. Salut. Ce qui est encore plus difficile, et le fait que vous le sachiez, que nous, à la réhabilitation, on sera jugé encore plus durement. C'est vrai. Parce qu'on a dit à Dieu, nous, on va faire quelque chose de différent. Attendez.
Mais certains d'entre vous doivent commencer à faire pire que la différence. C'est pourquoi vous serez jugé plus sévèrement. Parce que non seulement que vous voulez continuer à diviser comme les autres, vous avez décidé, oui, vous avez décidé encore à faire pire que les autres. Pouvez-vous porter le nom de la réhabilitation et quand vous continuez à déshabiller l'église, ça ne va pas marcher. Alléluia. Soit vous êtes d'abord réhabilité pour être qualifié pour réhabiliter l'église, ou bien vous refusez d'être réhabilité et alors vous quittez la réhabilitation. Parce que vous ne pouvez pas vous mentir. Encore moins vous mentir à Dieu. Alléluia. 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 Le livre d'Ézéchiel chapitre 34 commence à partir de 17. Je ne suis pas sûr. C'est pourquoi Berger. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Je suis le vivant. Je suis le vivant. Dit le Seigneur l'Éternel. Uh-huh. Parce que mes brebis sont au pillage. Parce que mes brebis sont au pillage. Et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Uh-huh. Faute de berger. Faute de berger. Parce que mes bergers ne prenaient aucun souci de mes brebis. Uh-huh. Qu'ils se paissaient eux-mêmes. Ils se paissaient eux-mêmes. Et ne faisaient point paître mes brebis. Oui. À cause de cela, berger écoutait la parole de l'Éternel. Oui. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Uh-huh. Voici j'en veux au berger. Oui. Je reprendrai mes brebis dans leurs mains. Je reprendrai mes brebis dans leurs mains. Je ne laisserai plus paître mes brebis. Uh-huh. Et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Uh-huh. Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Uh-huh. Et elles ne seront plus pour eux une proie. Oui. Verset 11. Oui. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis. J'aurai soin même de mes brebis. Et j'en ferai la réduction. Merci. Merci. Pendant les captivités, vous devez savoir que vous avez un bon berger et comme pour nous dire un verset intéressant dans la deuxième lecture. Oui. Je suis le bon berger. Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Mais le mercenaire. Mais le mercenaire. Qui n'est pas le berger. Et qui n'est pas le berger. Et à qui n'appartiennent pas les brebis. Et à qui n'appartiennent pas les brebis. Voit venir le loup. Voir venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et prend la fuite. Il prend la fuite. Qui est le berger? Qui est le mercenaire?
Alléluia. Alléluia. Le berger, c'est un temps qui a été choisi par Dieu pour diriger ses enfants. Est-ce que vous comprenez? C'est pas parce que tu as été propulsé par par la magie, on va dire ça comme ça. Hein? Et quand tu t'es organisé pour devenir chargé de paroisse. Parce que d'être chargé de paroisse, ce n'est pas une boutique. Hein? Les paroisses, ce n'est pas une boutique. Il faut l'agrément de Dieu d'être au berger. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est comme ça que beaucoup, beaucoup se sont égarés dans l'église céleste. Et nous avons vu dans l'église, dans le temps, même les prophètes partent d'identité. Pourquoi tu rigoles? Il faut le dire pourquoi tu as rigolé. Parce que j'étais là. Donc tu n'as pas oublié. Vous connaissez les prophètes qui ont identité? Vous ne connaissez pas? Je vais vous raconter celle-là. Il y avait un prophète qui est venu de la Côte d'Ivoire, non? Oui, il est venu de la Côte d'Ivoire. Il est venu de Gabon? Non. C'est de la Côte d'Ivoire qu'il est venu. Puisque c'est nous qui avons jugé l'affaire. C'est nous là, qui sommes là, qui avons jugé l'affaire. Alors il a recruté un allié, c'est un fidèle de la parole de Promène. Hein, c'est là, hein? Oui, parce qu'on n'avait pas dit le Promène déjà. Oui, la parole de Promène. Pendant qu'il y a le culte, c'est recruté, on allait dans le vestiaire pour fouiller les poches des fidèles, pour relever leurs identités. Est-ce que vous comprenez? Leur date de naissance, leur pays d'origine, hein, même leur nom. Alors, quand le prophète d'identité entre dans la paroisse, il dit, toi, lève-toi. Tu es né en 1950. Versus avril. Mais c'est vrai, papa, c'est vrai. C'est ma date de naissance. Tu es ivoirien. Yes, papa, je suis ivoirien. Alléluia. Alléluia. Et il a aussi relevé d'autres informations, comme combien d'enfants la personne a. Célibataire. Ou aussi les célibataires. Et puis, il donne toutes ces informations-là. Et beaucoup étaient subjugués. Alléluia. Alléluia.
tout cela est annulé à cause de la division de l'Église. Sinon, dans des temps normaux, cela n'aurait pas dû arriver. C'est comme ça que beaucoup ont été égarés. Beaucoup ont été égarés. Jusqu'à ce que beaucoup de maris n'ont pas fait attention et ils se sont mis à coucher avec leur femme. Je n'ai pas entendu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il ne faut pas blaguer avec de telles choses, parce que ce n'est pas visible. Parce que cela n'honore pas notre Église. C'est très important. Cela n'honore pas notre Église. Je ne dis pas que notre Église est la pire de l'Église. Parce qu'il y a dans d'autres églises les choses plus graves que cela. Mais dans ces églises-là, on les couvre pour que personne ne soit au passage. Ça, c'est encore pire. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'au moment de la captivité, confiez-vous à l'Éternel et à l'Éternel seul. Ne vous confiez pas aux hommes ni aux blancs, mais confiez-vous à l'Éternel. Ne mettez pas votre vie entre les mains des prophètes qui vont vous mentir et non vous égarer. Ne mettez pas votre vie entre les mains des faux pasteurs qui vont vous dépouiller. Ils collectent, ils collectent, ils collectent, mais ils ne donnent rien. Méfiez-vous surtout des faux frères et des faux sœurs dans l'Église. Ceux qui vont vous donner de mauvais conseils pour mieux vous égarer. Lisez-moi les premiers versets de la lecture. Oui, premier. En vérité, je vous le dis. Je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte. Non, vous dites premier. Premier. Ézéchiel. Quelqu'un a trouvé? Quelqu'un. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Ce sont tes frères. Ce sont vos frères. Tes vos frères. C'est eux qui vous ont égaré. Ceux de ta parenté. Même parfois, même tes frères de ta parenté. Le même sang. Quand on dit du même sang. De même ethnique, comme vous avez l'habitude de marcher ensemble. Les Camerounais ensemble, les Ivoiriens ensemble, les Bénédois ensemble, les Antillais ensemble. Oui, c'est ça. Tes frères là,
sont éloignés de Dieu. Parce que quand on se met ensemble pour former un ethnic group, on va commencer à faire de la politique dans l'église. Or, dans l'église, il n'y a pas de politique. Il n'y a pas d'antillais, il n'y a pas de Nigérian, il n'y a pas de Bénévois, il n'y a pas d'Ivoirien. Il n'y a que le peuple de Dieu. Alléluia! Alléluia! Qui sont les vrais célestes ici qui viennent de là? Les vrais célestes. Vous n'êtes pas beaucoup. Hein? Non, c'est pas une vraie céleste. Et pourquoi ta main n'est pas en haut? Hein? Dieu voit ton cœur, mais nous, on ne voit pas ton cœur. Donc, il n'y a pas de temps pour savoir. Alléluia. Alléluia. J'ai chanté deux ou trois chansons. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Le péché de papa me tourna a été lavé aussi. Oui, papa. Dans le sang de Jésus, n'est-ce pas? Amen, c'est ça. Le péché de maman Noël a été lavé aussi dans le sang de Jésus, n'est-ce pas? Amen. Donc ça vous dit. Nous tous ensemble, si nous admettons que nos péchés ont été lavés dans le sang du même Jésus, c'est que nous appartenons tous à un seul, celui qui est sacrifié pour nos péchés. Amen. Et qui est mort sur la croix pour nous sauver. Donc il n'y a plus ni juif ni grec. Parce que la parole que Dieu nous a envoyée par Ézéchiel, s'est adressée d'abord aux juifs. Deuxièmement, cette parole s'est adressée aussi à l'Église. L'Église, c'est la maison que Jésus a laissée à son départ. C'est pourquoi dans toutes les églises, on dit les lectures, n'est-ce pas? Donc, cette parole aussi s'est adressée à l'Église. Bible est à la portée de tous dans le monde entier. Cette parole aussi s'est adressée aux nations. Alléluia. Alléluia. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'au dernier jour, c'est par cette parole
quand nous serons tous jugés. Parce qu'on te demandera comment as-tu vécu ta vie. La chanson disait How pécherez-vous? Ah, abyss. How pécherez-vous? Quand on voit le jour, how pécherez-vous? Tu seras jugé, tu seras jugé avant d'aller au ciel. C'est cette parole que nous avons reçue. Qui examine notre conscience. Oui. Parce qu'à chaque fois que cette parole est dite, notre conscience est interpellée. De la même manière, dans le jardin d'Éden, où Dieu disait à Adam et Ève, vous pouvez manger les fruits de tous les arbres, sauf les arbres de la connaissance du bien et du mal. Et quand il a mangé, leur conscience a été indéfinie. Ils ont découvert qu'ils étaient nus. Ils sont couverts. Et qu'est-ce que Dieu lui a posé comme question? Il vous a appris que vous étiez nus. Que vous étiez nous. Alors, on pose la question d'abord à Adam, n'est-ce pas? Oui, papa. Il dit, mais c'est la femme que tu m'as donné. Qui m'a fait manger de fruits interdits? Et quand Dieu demande à la femme, la femme, non, c'est le diable. Lui, c'est le bien. Vous avez entendu les sentences, n'est-ce pas? Les jugements de Dieu sur Adam, sur Ève et sur le diable. N'est-ce pas? Ne commettez pas les mêmes erreurs en disant c'est le chargé. C'est lui qui m'a dit de faire ça. Vous dites c'est ma femme. C'est elle qui m'a égaré. Ou c'est un tel. Un des fidèles qui m'a induit en erreur. Chacun sera coupable de ses fautes et de ses péchés. Ce jour-là, tu seras responsable de tes actes. Évitez les péchés partagés. Ne vous mêlez pas des histoires dans l'église qui ne te concerne pas. Est-ce que vous m'entendez?
Alléluia. 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 N'ont participé pas aux cérémonies que vous ne connaissez pas. Dans l'église. Parce qu'il y a des cérémonies où leurs conséquences sont irréversibles. Parce qu'ils sont générationnels. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez même le passer à l'autre. Parce que vous êtes lié en esprit à les membres de vos familles. Marchons droit devant le Seigneur. Il y a un seul droit que Dieu nous a donné dans l'Église. Si ce n'est que de vous aimer les uns et les autres. Jésus nous a appris. Vous avez appris de faire du bien à ceux qui nous font du bien. Et moi, je vous dis, faites du bien à ceux qui nous font du mal. Aimez ceux qui vous haïssent. Sinon, vous ne pouvez pas être des bons chrétiens. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre ce que je vous dis là. C'est pourquoi Dieu a choisi certaines personnes. Pour vivre des expériences qui va les forger pour que l'enseignement de Christ puisse les entraîner. Afin d'enseigner aux autres. Bien que ces enseignements peuvent être difficiles et durs dans vos oreilles, il faudrait que vous fassiez beaucoup d'efforts, au moins de les pratiquer. Pour pouvoir découvrir le vrai fait. Même ceux qui ne disent pas Alléluia, vous accueillez dans l'église, dites-leur toujours Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, papa. Dites-leur toujours Alléluia. Que ton Alléluia soit donné à tous. Parce que Alléluia signifie gloire à Dieu. N'est-ce pas? Et c'est gratuit. Celui qui ne veut pas recevoir ton Alléluia, c'est qu'il refuse la gloire de Dieu dans sa vie. Mais toi, dis toujours Alléluia. 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 Même ceux qui vous font du mal, qui vous font du tort. Ne dégage pas dans votre cœur. Parce que Jésus a besoin de ton cœur. Ton cœur, c'est ce qui te relie Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc ne laissez personne d'obtention de votre cœur. C'est très important. Très longtemps, les gens disent que papa est un requin parce que même si on lui fait quelque chose, tu ne peux pas le savoir. Je ne sais pas si je suis un avocat,
Est-ce que je sais? Ce que je sais, c'est que j'empêcherai certains hein, pour m'empêcher de rentrer dans le royaume des cieux. Parce que même si ils me font du mal, il ne faut pas qu'ils attendent que je vienne, ils auront le mal qu'ils m'ont fait. Jamais je le ferai. Est-ce que vous comprenez? Parce que mon regard est de Christ, celui qui m'a appelé. Mais vous aussi, vous faites pareil. Parce que notre captivité va bientôt finir. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. C'est une promesse que Dieu nous a faite. C'est une promesse. Parce que Dieu sait le projet qu'il a fait sur nous. Jérémie 29, à partir du verset 11. Quel est ce projet que Dieu a fait sur nous? Car vous connaissez les projets que j'ai formés pour vous, l'Éternel. Projet de paix. Projet de paix et non de malheur. Et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et de l'espérance. Verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Oui. Vous me prierez et je vous exaucerai. Oui. Vous me chercherez. Oui. Et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Je me laisserai trouver par vous. L'Éternel, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Merci. Donc, dans l'Église, ne fais pas de mauvaises cérémonies contre ton prochain. Ne fais pas de complot contre ton prochain. Ne jouez pas ton frère ou ta soeur. Fais du bien à tous, autant que cela vous est possible. Ne me dis pas contre ton prochain, parce que c'est lui foncer le couteau sous le dos. Aimez-vous fortement. Que l'amour soit sans hypocrisie. Amen. Vous savez ce que ça veut dire, amour, hypocrisie? Vous savez pas? Hein? Viens vous le montrer. Alléluia, mon frère. Comme d'attirer le jour. Est-ce que papa, ma sœur, a vu ça? Hein? T'as bien vu, hein? Ma sœur me t'aime! Tu es le seul frère que j'aime dans l'église. Le médecin de Judas. C'est ça la vie. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Je sais que certaines personnes ont été à l'église à part de tout ce qu'il y a.